Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur le colis de l'armurerie française. Tout de suite, après le générique. Reprise de la vidéo les amis, et oui enfin j'ai reçu le colis de l'armurerie française où j'ai commandé en ligne. Et là je commencerai par la vidéo à dire que je suis pas trop satisfait de cette commande. Il y a eu une grosse erreur logistique et franchement c'est pas bien parce que d'habitude il n'y a jamais de problème. Et là il y en a eu un. Pour faire simple, j'ai commandé le 5 décembre des munitions et une optique. Mon compte, mon profil était à jour des documents et des licences de tir et tout ça. Et au bout d'une dizaine de jours, j'ai toujours pas de nouvelles. J'ai trouvé ça bizarre. Et en regardant ma commande sur internet, c'était marqué délai de livraison entre 8 et 12 jours. Au 13e jour, j'ai appelé l'armurerie française, hein, très bien reçu au téléphone. Et là, en lui donnant mon numéro de bon de commande, la dame elle s'est retrouvée embêtée parce que ma commande n'avait pas été traitée. Et ça, c'est dommage. Elle l'a traitée tout de suite et j'ai reçu le colis 3 jours après, hein, aujourd'hui. Mais c'est dommage. Des fois, ça fait réfléchir pour d'autres et futures commandes. Et ça, comme on demande mon avis sur l'armurerie française est content sur cette vidéo, les gens n'ont peut-être pas forcément envie de commander. J'enverrai le lien à l'armurerie française de cette vidéo. Je ne fais pas de vidéo pour les mettre en porte-à-faux ou quoi que ce soit. Les erreurs, ça arrive tout le monde. Quand c'est bien, je l'ai dit auparavant lors de mes dernières commandes. Je le dis, et quand il y a une erreur comme ça, je le dis aussi. Toutes mes excuses à l'armurerie française. Voilà. Là, je sors le colis. Alors, j'ai commandé des munitions, des slugs, des balles de 22. Alors, des slugs, pour faire simple. Des boîtes de Winchester Super X Slug Hollow Point calibre 12. Hein. J'ai commandé 5 boîtes de 5. À 25 les 5 boîtes 25 euros, j'ai commandé des munitions de C7, des cartouches 22 long rif hein, à 24 euros et un viseur point rouge pour le slug, enfin pour tirer la slug sur le pont. Alors c'est vrai que la commande a été traitée tout de suite. Hein. La dame elle m'a dit, bon, le téléphone elle est embêté, elle m'a dit votre commande n'a pas été traitée. Et ça c'est dommage. Bon, si dans l'avenir ils peuvent faire un petit geste commercial, l'armurerie française, là un récapitulatif de ma commande. Bon, toujours très bien emballé. Et on va défaire le tout. On va commencer par les munitions. Voilà. Munitions 22 long rif. Hein, combien il y en a là-dedans? Je crois que c'est 440. Je ne sais plus combien. 400 cartouches, hein, voilà, M22, super cartouche. Moi j'aime bien tirer avec ça, là, très fiable, très stable. Et après, j'étais parti pour acheter des slugs de, je vais dire, de marque. Et j'ai acheté des Winchester Super X. Bon, je sais qu'il est. Les cartouches, les slugs c'est pas donné, mais c'était les moins chers sur leur site. Winchester Super X calibre 1270,
C'est en gros entre 5 et 6 euros les 5 cartouches. Ça fait cher, ça fait pratiquement 1 euro la cartouche. Alors, pour aller au sanglier, tirer une balle par an, ça va. Mais quand on y va pour faire du fun tir avec son pompe, eh ben, même ces cartouches les moins chères, eh ben, ça fait mal aux sacoches de les tirer. Donc c'est pour ça, dans l'avenir, je fabriquerai mes slugs. J'ai oublié de lire dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai acheté un moule à fondre LiPro 4-20 pour fondre et couler mes slugs. Il devrait arriver et je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, 5 boîtes de slugs de qualité et des cartouches Van Doloriff. Voilà, des cartouches Van Doloriff. Et j'ai dit que j'ai acheté une optique. Alors c'est l'optique que j'ai vue pour moi la moins chère rapport qualité-prix qu'on pouvait poser sur un fusil à pompe comme moi. Hein. J'ai appelé l'armurerie française avant d'acheter la visée point rouge en leur disant bien au technicien qui m'a rappelé. Alors là-dessus, le service commercial il a été excellent. J'ai appelé le secrétariat et 10 minutes après, un technicien me rappelait. J'ai dit, voilà, je veux acheter tel viseur point rouge. Est-ce qu'il est réellement compatible sur mon Armsam RX2? Il m'a dit, matériel de très bonne qualité. Ils en vendent une centaine par an de cette optique. Et aucun retour dans leurs statistiques. Hein. Donc le mec, il m'a dit, vous pouvez y aller les yeux fermés. L'optique est garantie 10 ans. Et je l'ai payé 130 euros. Je vous mettrai une vidéo dans la description qui m'a confirmé mon achat. Elle ressemble un peu à l'optique américaine, je sais plus, la grosse là, qui vaut 600 balles. Et moi, j'ai acheté un viseur point rouge de la marque Sigma Ultra Shot Plus. C'est celle que j'ai, en fait il y a en gros trois modèles comme ça, en viseur point rouge chez Sigmark. Et c'est celle pour moi qui est la mieux. Normalement elles sont garanties 10 ans. Je referai, je mettrai bien le lien de la vidéo qui m'a fait choisir ces lunettes. Hein. Ils expliquent les trois différentes, voilà. Et franchement c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Voilà, petit kit. Lingette, petite clé pour resserrer l'embase. Et les anti-chocs et les étanches, putain, elle fait son poids. Hein. Elle est vendue avec une housse complète. Franchement, c'est le viseur point rouge le mieux que j'ai trouvé. C'est la plus lourde des trois modèles de chez Sigmark. Elle fait 260 grammes avec les piles, avec la pile. Et elle ressemble à Leotech, hein, la lunette américaine. Et franchement, elle est magnifique cette lunette. Hein. Point rouge. Voilà les amis. Elle est magnifique. Je vous montre. Sigmark. Et l'avantage, putain, elle fait vraiment de la putain de super qualité. Elle a l'embase à serrage rapide. Elle a quatre modes de viser, la croix, le point, le rond avec le point, le rond, machin, et elle est en couleur rouge et vert. Celle-là, elle est équipée d'une pile. Ah putain, est-ce que je vais arriver à le démonter? Je ne vais pas le défaire, je commence bien. Donc, ce que je disais, c'est une pile CR123A et l'autonomie de la visée point rouge, elle est de 2000 heures. 2000 heures de fonctionnement, les amis. Putain, mais bon, elle est étanche, hein, il y a un joint. Et
Est-ce que je vais arriver à mettre ce putain de bouchon? Bon, ça, je vais le couper, hein. De toute façon, ça fait manouche. Voilà, elle ressemble un peu à Léotech. Ici, on a la vis de réglage pour la hauteur et la descente. Et ici, la vis de réglage en dérive. Elle est équipée d'un revêtement anti-reflet et elle est anti-choc et étanche. L'avantage de celle-là, elle a un commutateur. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas si on verra bien avec le micro. Vous voyez. Voilà, elle fonctionne. Et après, sur l'autre bouton, règle l'intensité. Et si on appuie sur le marche arrêt, elle passe en vert. Franchement. Ben franchement, ça se voit que c'est pas de la merde. Voilà, au prix de 129 euros. Bon, ça c'est rien, je vais couper. De toute façon, ça va pas se déboîter. Je la coupe. Voilà. Super matos. Je vous mettrai tout dans la description. Et demain, 25 décembre, j'irai faire des tirs de réglage. On ira l'essayer avec le pompe. Ben, au pas de tir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je dirais en chaque fin de vidéo et avant tout, un joyeux réveillon de fête de fin d'année. Faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Ciao, merci et à plus sur ma chaîne.